Et re mes petits chocobos. Et coucou aux arrivants, on va découvrir Sin 7. Il est sorti hier ou avant-hier, je sais plus. Hier, je crois. Il est free to play, mes petits chocobos. Voilà pour ceux qui ont des petits budgets. C'est qu'a gagné Célène. GG! On va voir ouais, si je l'ai, sinon faudra que je fasse peut-être une manip. Des fois les drops pour faire une manip. Je crois pas que je l'ai là. Mais je verrai ça après le tuto du jeu du coup. S'il faut que je relie mon compte, le problème c'est que j'ai remarqué un truc bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression... Quand je suis inscrite sur le site, j'ai pas le même pseudo que sur le launcher du jeu, donc. La merde, quoi. Mais je vais voir parce que je sais même pas où voir mon pseudo. J'ai pas trouvé dans le menu du jeu, en fait. Mais je crois que c'est que sur le launcher. Sinon tant pis, mais je risque de pas avoir les drops pour moi, mais au moins vous les aurez. Mais c'est un vrai bordel leur truc. Parce que sur le launcher du jeu, je peux pas déconnecter le compte ni le changer. Je peux faire fermer le compte. Sauf que je sais pas en fait. C'est trop bizarre. Je sais pas si toi t'avais le même que sur le site Wolf. Alex il a le même. Et moi comme j'ai fait plusieurs bêtas, j'ai peut-être eu deux comptes et du coup ça a fait un mix et le bordel. Mais dans les mails je retrouve qu'un seul qui a Sinced. Mais j'en ai tellement chié hier à réussir à lancer le jeu, je vous le dis. Je me suis dit, bon, ça c'est pas grave. On n'est plus à ça près. Genre la prise de tête hier soir. Surtout par cette chaleur. C'est compliqué quoi. C'est compliqué. J'ai regardé du coup sur Twitch. Quand même revoir. Ah, toujours pas. Je vais voir un truc, ça c'est bon. C'est bon, F5 les gens, c'est bon. Voilà. Il y a les drops, c'est bon. Un petit F5 si vous voulez les drops. Ah, il fallait encore faire la manip. Ils sont chiants. Hein. Ils sont chiants. On fout le coup à chaque fois. Et re Florian. Les arrivants. Je sais pas ce que j'ai lu un message pendant que je faisais ça. Bah toujours pareil Florian, j'ai déçu quoi.
Il y a des trucs sympas, mais quand tu trouves un truc sympa, il y a un truc pas bien derrière. C'est bizarre. Parce que moi j'ai Power Ranger. Là, comme moi je peux les avoir pour moi-même en fait sur mon propre stream. Donc. C'est comme ça que je vois si je les ai bien. Ah tu vois, il y a aussi là aussi. Refaire, peut-être t'as fait trop tôt, je sais pas. On va faire le tuto, hein. J'ai pas du tout eu le temps de faire le tuto du coup que j'ai galéré à faire marcher le jeu hier soir. Donc c'est possible que le son des armes soit trop fort au début et que je doive modifier ça. Bah, fais pas trop tard si tu les veux Power Ranger. Parce que j'en fais aujourd'hui, on en fera samedi prochain. Je sais pas si on aura encore les drops samedi prochain. Oula Pantekata, coucou Météo, coucou Shinobi, coucou Rorim. Installez-vous les arrivants. Et merci à ceux qui laissent la petite clerp qui avec un petit peu de son, peu importe le jeu. Hein, c'est bizarre. C'est bizarre. Ou alors tu les as déjà et tu sais pas. Des fois ça arrive, c'est sur une chaîne, ça raid, t'es AFK et... Bon, ça m'arrive, j'ai des drops des fois de jeux comme ça. Le matin comme la nuit, je laisse les streams des copains. Ah, faut que t'ailles voir dans tes drops, dans ton onglet drops et tu regardes. Tu les as. Alors. Alors j'avais fait la bêta avec Alex. Mais alors je me souviens plus trop comment ça fonctionnait et tout. Donc ça va lancer la cinématique directe, normalement. Donc c'est VOSTFR. Humanity's last golden age was built on nanotechnology. Tiny machines, insignificant and invisible as individuals, but when clustered millions strong and working in harmony, capable of anything. As a species, we'd never been so seamlessly connected, united beneath the branding of the Shinar Corporation and their countless nanites. The future shone so brightly until it all went wrong. The collapse. Some called it a glitch, others said it was fate. Either way, the nanites turned on us, consumed us from within, twisting the countless dead into mechanized beasts. Nanos. That's when Shinar abandoned us, used their power to help the wealthy flee to the skies, leaving the rest of us to die in the dust of our ruined planet. Now Shinar's headquarters lie abandoned and sealed off from the world, just the graveyard of our hopes. We call it the Meridian, a forbidden place. And like all forbidden places, it calls to those who seek out secrets. Runners, those who come from across the globe to find what is hidden, who fight for the causes of our new world. Who have learned to tame nanos, to weaponize the enemy, to take an ally from their number to fight with against the Scourge. They scour the Meridian to unearth its mysteries, but mysteries can be dangerous things, and some secrets are better left buried. Après, t'as peut-être juste pas le message qui s'affiche. Le premier drop est très rapide à avoir, il me semble. All right, Deadcut, you've entered the Meridian. Approaching the drop zone now. Get ready for deployment. There's no time to waste.
keeping a tight schedule. I can dig it. So brass tacks, it's your first run. Alors je verrai si je baisse sa qualité, j'ai mis en ultra, mais peut-être que... Peut-être qu'il est pas très bien optimisé le jeu, je sais pas. Seems simple enough. Ouais, ils sont pas durs à avoir en tout cas. J'ai trouvé ça cool parce que c'est vrai que des fois, il faudrait rester 3 jours limite. Alors, c'est en QWERTY. Est-ce qu'on peut rebind les touches? Rebind les touches ou c'était trop chiant Alors, où les Z? Voilà ce qui a changé avant. Non, c'est bon, ouais, c'est faisable. Pas vu. L'air d'être bon. Ah bah non. Ah, ça m'a dû enlever les... Par défaut. On refait tout. Ah, c'est bien un 2. Ah, mais à chaque fois ça... Ah, ça m'énerve. Ouais, là c'est bien ça. Pourquoi ils mettent 3 ? Les 1, 2, 3, les 1, 2, 3, t'as pu les rebelles ? Ça t'a mis 2 ? Bizarre. Ouais, ça fonctionne, ok. Étrange, mais ok, tant mieux. Pour... Ah, pour changer les armes? Ah, parce que c'est souvent le 1, 2, 3, 4, c'est du QWERTY. Comme le 4, il me met le... Normalement, ce qui s'affiche, c'est ce qu'il y a en dessous le 1, 2, 3, 4. En français, en AZERTY. On verra bien... Alors j'ai mis à zéro les micros, faites attention de ne pas parler dans le jeu. Vous voulez pas... Moi j'enlève toujours le chat, je... Voilà. Le chat vocal j'enlève toujours. Surtout pour le stream parce que si jamais il y a des insultes ou quoi, c'est moi qui prends. J'ai tout mis en épique, on verra si ça va. Ça devrait être pas mal. Il est très sensible. Dans quoi la sensibilité? Jamais. Dans les commandes? Ah ouais. Ah, normalement c'est mieux, plus vous avez de sensibilité, mieux c'est mémoire. Moi c'est vomito QWERTY. Hein. On verra. Peut-être pas assez rapide maintenant. Oh, quoique. Ça, c'est pour se déplacer. Ça c'est pour tirer. Donc, ça devrait être bon. On va voir. Ça devrait être pas mal. Qui c'est qui va, dodo? Ah, KO. Bah, bon repos. Bon repos à toi. Et merci à ceux qui pensent à la petite lurk. En exclamation ROD, R-O-A-D. Essayer d'avoir le partenariat Twitch à fond. Merci à ceux qui jouent le jeu. Merci à ceux qui ont mis le stream en, dans leur barre de favoris pour y penser à chaque fois de le lancer. A savoir que si vous lancez la page... même si j'ai pas lancé le stream, dès que je vais le lancer, ça va s'activer. Je regarde mes FPS en même temps voir si j'ai besoin de baisser la qualité, mais j'étais en 60 constant. Ouais, c'est ça qui est bizarre, ouais. D'ailleurs, j'ai pas regardé, j'ai d'autres armes, non. C'est le même tuto qu'à la bêta. Ils ont pas changé. Je me souviens de cet endroit.
Alors, il est un peu modifié. Ah, j'ai quand même une baisse à 50. T'as mis en quoi, toi, le jeu Wallaby Boy? On n'a pas la même config, mais... A new toy. Le jeu. T'as mis en épique aussi? Pas si je baisse un chouïa, on va voir. Oh, le nounours! C'est dans quel truc ça déjà, ce nounours? La touche pour s'accroupir. Élevé. C'est vrai que les FPS c'est le plus important dans ce genre de jeu. J'ai peut-être baissé. Ah non, c'est élevé que j'ai mis. Pas plus haut. Non, c'est épique. On va voir si je baisse un peu. Tirer sur l'épée blindage des nanos prime affiche plus de dégâts. Cibler les points faibles en surbrillance. Ouais, bah moi je bloque en 60, mais mes écrans vont pas au-dessus de 60. Et pour le stream, souvent c'est pas mal. Un jour, je pourrais mettre plus d'FPS. Attendez que les points faibles de votre ennemi soient exposés et puis frappés. Bim! GG Momo, un niveau de plus. Quoi pour esquiver? Esquiver? Oh putain, c'est cette touche là. Ouais, c'est trop loin pour moi cette touche. Je préfère courir. Il est beau, hein. Time to sink this beast. Winner take all. Alors, je vais synchroniser avec lui. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est qu'on peut avoir un robot nano à nous. Ace, my man. Welcome back. Voilà, cinématique. Beaucoup. Commande d'attaque. Hit. Sock him in the eye. Oh putain, il les a fait voler. Rappelez X. Come on home, Ace. C'est toujours aussi stylé ça, hein. Je me souvenais pas de ça. Unstable surge energy, volatile as hell. I don't allow it inside Haven, but out there, you can deposit it in an exchange, and well, let's just say that if you offer radia to the Meridian will give you something in return. Donc en gros, ça, c'est pour quand vous êtes dans la partie, vous pouvez acheter des améliorations, une sorte de boutique qu'il y a sur la carte. Mais je crois que c'est réinitialisé, je sais pas, vous retournez sur cette carte parce que c'est interdit. Bah, comme elle disait, elle en veut pas dans la base. T'as mis élevé. Peut-être mettre élevé juste pour être un peu plus confort en FPS. Juste. Le confort. Sur ce genre de jeu, si vous n'avez pas l'FPS, c'est l'enfer. Surtout pour le côté PVP. Soigner. Par contre, il va falloir me soigner de toutes les touches. Ah non, ça va, c'est marqué en bas, soigner. C'est bon. Donc j'ai un écraseur avec moi, hein. Ça c'est le saut, ça c'est... Go check it out. Bring it home, mate. Ok. Ok! Oh yeah! T'as fait le tuto, Elios? Le tuto est vraiment bien foutu.
A heavy-duty blade. Melee. C'est bien. Back to the deck. Un petit toutou. That's an exchange right there. A Shinar fabricator twisted by the Meridian. Feed it radia, it'll grant you special abilities. Voilà, c'est pour un temps limité. C'est ça, ce que vous achetez là, c'est pas pour tout le temps. Voilà, important. Alors. T'as la vision des bellicistes rivaux, donc ça c'est le PVP. Nous sommes des bellicistes. Assomme les nanos et révèle leurs points faibles. C'est pas mal. Charger un chargeur vide ajoute le nombre correct de balles dans l'arme. Rechargement à vide font apparaître un explosif. J'ai assez pour la... Non, j'ai plus assez. Don't you worry. Me and Ace, ain't no flies on us. Ah, je sais pas combien de temps dure le tuto, Ayos. Tu voudrais jouer à les boys aussi? Because there's Nerva to be had. Come on, eh? And secrets to be uncovered, I'll wager. Ça va au niveau du son ou pas? Ou est-ce que je baisse un peu le son des armes? Vous me dites, hein, parce que à jouer c'est classique, mais pour vous. Oh, une armure. Bah, elle est moins bien, donc je la ramasse pas. Je peux la détruire? Non, par contre, je peux la marquer. Normalement, quand tu joues en groupe. Keep an eye on your radar, it'll lead the way. Master Panda, comment ça va? Tranquillou, tranquillou. Comme un ça. Ah, c'est un point. Ok. There it is, the surge storm. Hard to miss. Coucou Jimmy, apocalyptique. Right on. Let's catch that bad boy out. Tempête d'afflux se multiplie dans la zone mortelle. Votre radar vous indique où se trouve la tempête la plus proche. Ça va le son ou pas? Vous m'avez pas dit après? Lorsque vous approchez d'une tempête, celle-ci se transforme en un groupe de nanos agressifs, avec à sa tête un ou plusieurs nanos lumos. Une fois que les nanolumos auront été éliminés, tous les autres nanos seront affaiblis et la tempête d'afflux disparaîtra. Même quand je tire, c'est bon. Ça a balancé une grenade. Back to the deck. Remnants of the Shinar space program? Harvester drone. Automated. They make scheduled passes through the Meridian to pull Nerva out of the surge. Ghost ships? Something like that.
Looks like the corruption laid this one to rest. That's Nerva. Raw nano energy. The key to our collective survival. A single unit can power Haven for a whole day. And for runners like you, it's worth its weight in gold. Ok. Je n'ai plus du bleu. Whoa, that's a hell of a surge storm. Having second thoughts? Never had a second thought in my life. Wolfishen, bienvenue à toi, comment vas-tu? C'est gentil, mais comme on ne connaît pas, on accepte. Enfin, moi j'accepte pas les codes d'inconnus. Personnellement. Par contre, pas de langage SMS sur la chaîne Wolfie, s'il te plaît. Pense à les lire. Qu'il y a déjà eu des soucis par le passé avec des trucs dans le genre, donc. Personnellement, c'est pas contre toi, mais. Après, si quelqu'un, peut-être que tu vas recevoir des MP de personnes d'ici. Vas-y, utiliser la rage cinétique. Pas mal ça. Il va devenir fort. Oh, en élevé, c'est pas mal jouer en élevé jeu. Compétence de belliciste. Burn, baby burn. Go check it out. Rip them up. Oh putain, y'a deux, hein. Il est toujours agréable à jouer le jeu. Ah, choisis mon nom d'utilisateur. Utilisez votre vrai nom. Je vais mettre le truc de la chaîne, hein, je pense. Ça va être plus simple pour vous me retrouver. Ah, bonne journée Florian. N'hésite pas à laisser la petite lurk si tu peux. Prends soin de toi, peut-être à tout à l'heure, hein. C'est que le début du stream, là. On est que sur le deuxième jeu.
Phobie de lettres. Ils ont pris le même tuto, mais ils l'ont dit plus, plus agréable. Ou alors c'est vraiment le fait d'avoir changé ma carte graphique. Peut-être c'est ça aussi. Je sais pas, je le trouve plus agréable. T'avais fait la bêta, Wolf? Pense pas, Elios. Je pense que tu connaissais pas le jeu. You keep a cool head under pressure. I respect that. Spend more than my fair share of time under the gun. Play it coy all you want, but here's what I know. On avait profité de la bêta pour jouer ensemble avec Alex. On cherchait un jeu pour jouer ensemble, mais il y avait la bêta en fait. Tombé comme ça, on a testé. You cleared that surge zone and you barely got a scratch to show for it. Mais j'arrive pas à motiver Alex pour revenir sur le jeu. Luck, me, I say it's fate. Luck, fate, just two sides of the coin. Either way. Seems I always end up just where I'm meant to be. Parce qu'il y a des petits trucs qu'il fallait retravailler à l'époque, mais je pense que maintenant. Spend enough time on your own, you learn how to live. J'ai pas fait les dernières bêtas, on a fait les premières. You're not alone anymore, runner. Settle in. Welcome to Haven. First things first. Il y a eu beaucoup de bêta et ça fait un moment qu'il y avait eu les bêta. Ils n'ont pas fait trop de pubs pour éviter que les gens soient un peu trop là encore. Nerva runs, on the other hand, put you head to head with other runners. Either way, it's going to be tough, but you won't be alone. You'll have other runners in your team and you'll need to work together if you want to have any chance of success. C'est équipe de 3, je sais plus. So what do you say? Dead Sector or Nerva Run? Ah oui, tu peux faire les deux maintenant, ouais, séparés. OK. Il y a plus le mode les deux en même temps? JC plus JCJ? Peut-être qu'après c'est ça, c'est là-dedans peut-être. Merci Vadron pour follow, bienvenue à toi, comment vas-tu? Ah, je vous fasse un chant vocal sur Didi pour Sinced. Après, il y aura peut-être un chat écrit aussi si jamais vous cherchez un groupe. Bon, hors stream, faudra pas hésiter à me demander. Je serai peut-être pas tout le temps dispo, mais. N'hésitez pas. À me demander, parce que j'aime beaucoup. Juste, il y a beaucoup de jeux en ce moment qui sortent, alors pour le moment, ça sera que le samedi sur le planning, mais. Si vous accrochez, je suis obligé d'en faire un d'abord solo, j'ai l'impression. Je crois que c'est obligatoire le premier en solo, non? Ça marche comment? 18 de ping. Vous voyez le ping en Nord-Amérique, 150. Ça, je vous dis sur Palia, le ping. Ouais, il doit être dans les 200, je pense. D'accord, c'est Amérique du Nord, je crois. N.A. Ouais. Sud-Amérique, ouais, c'est plus de ping encore. Encore ça va, je trouve, hein. Ça pourrait être bien. Ah non, je joue en équipe ou... Ouais, mais en équipe que je connais pas, là. On va voir. On va faire la première comme ça, avec des pick-up. De toute façon, j'ai coupé le son. Je vais les suivre. Le son, mais je les suis, c'est pas très grave. Je sais même pas si tu peux changer. Je sais même pas. Ah si. Sinon, j'y vais en solo. Pour découvrir tranquillou. Vas-y, on va aller en solo. On est une gueudin. The Dead Sectors.
Des pics, des équipes. Crawling with nanos and totally infected by the surge. When a new tyrant moves in, they whip up surge storms that put Haven at risk. So someone needs to go in there and kill the tyrant. That sound like you? Now, surge storms are no joke. If you want to survive in one, you gotta work fast. Your surge meter will warn you when the concentration gets too high. When it hits 100, you'll be putting your health at risk. If you want to make it back alive, don't let that happen. For your first run, we'll be dropping you in an area riddled with surge formations. They might look like solid rock, but these are actually complex structures made from surge itself. Be ready to act quickly. The formation will generate every nano it can to stop you. Nothing out there goes down without a fight. You'll need to pop down your scarab so we can triangulate the tyrant. Then do whatever it takes to destroy that formation. Là, il vous explique comment ça se passe, mais ça fait beaucoup d'infos. The one piece of good news is that the heavy surge activity means lots of radio for the exchanges. They can be a little finicky, but you should be able to get geared up enough to have a fighting chance against the tyrant. And if you make it out, you can keep any nerve you find. All right, that's the score. Simple, really. Clean the surge storm, find the tyrant, kill it. Think you can handle that? Bon, ça va, Vadran, tu as testé. Ouais, rien que le tuto est très agréable à jouer, donc je pense que ça va être cool. Éliminer les nanos pour contenir l'afflux, collecter du radia pour acheter des modules, atteindre les objectifs pour rejoindre le tyran. Les refuges contiennent de l'équipement précieux et des opportunités d'amélioration. Ils sont donc essentiels à votre survie dans le méridien. Ok. I'm feeling lucky. Je crois que c'est parce que c'est la première, ils me mettent déjà un endroit, mais normalement tu choisis l'endroit où tu... Legion Nanos, looking for... Surge is everywhere, but your radar can point you toward the most corrupted regions. Follow its readings to find the hot zones, and take down the Locust Nanos to clear the area. Rinse and repeat. J'aime bien le tuto en même temps. J'ai des ennemis sur la gueule. Toi, t'as choisi ton moment, hein. Petit tuto au moment où tu veux pas lire. Ils te disent qu'il faut éliminer en premier. pouvons-nous voir? Non. Y'a pas. One more round. We're betting fire now, boys. Ça me fait des dégâts dedans. Non. Choose wisely, runner. A synergistic assortment of mods is your ticket to victory. J'ai pas encore de copains avec moi là. T'as pas le récupérer. Ah si. Envoie avec moi un écraseur. Ah, je peux lancer l'arme. Oh ouais. Bring it on, mate. J'ai un écraseur là. L'armure bleue, ça va faire du bien.
qui me proposait des trucs, mais comme je savais pas ce que j'allais avoir. J'ai un écraseur. C'est bien, mais je pose des trucs que j'ai pas besoin. What a find. Oh merde. Ça, c'est un normal. Je sais pas s'il y a d'autres joueurs là. En mode P. Le PVE, c'est t'as d'autres joueurs mais en mode gentil ou t'as pas du tout d'autres joueurs voilà. Parce que sur la bêta, ouais, c'était quand même fait différemment du coup. Back to the deck. C'est l'équipe, ok. C'est vrai que comme à la bêta c'était différent. C'était différent ça. Top shelf gear. Tu joues en PvE du coup. Après moi les deux me vont hein, les gars. Ouais, moi même le PvP sur ce genre de jeu ça me dérange pas si vous voulez faire du PvP. You see safe houses like this all over the Meridian. Each one the site of somebody's last stand. But the things they left behind can help you stay standing where they fell. Let me show you a trick. Don't let them go to waste. L'écraseur j'ai moi. Come on, Ace. Ouais. Parfait. Alors ça c'est un endroit à butin. Je vais m'expliquer mais comme on est en plein combat, c'est le seul problème. Comme c'est du VO, STFR, c'est en plein combat. On peut aussi acheter des armes. Alors, la suite. Typer les tempêtes d'afflux. Mange un camion. C'est quoi ça? Trace de l'expérience des utilisateurs de plus en plus. Il y a des notes à trouver. Animals must stay behind. Stay vigilant and remain calm. We will take care of you. Okay. If you choose not to evacuate, seek shelter. Let's play fire. Emergency
The evacuation procedures have begun. Residents of Pasco County, Florida, are advised to make their way to the waterfront immediately. La difficulté commence à être un peu violente là. A nice prop. Trois armes. Voilà. Ah, merci. Ah, peut avoir que trois armes, ok. Je me souvenais plus. Tempête détectée. Énorme. Juste faire un coup. Hop. Quoi ça? Oh. On a un sniper. Ok. They're only squad deep. To the deck. Keep an eye on the surge level. If it reaches 100%, it's over. Ça, c'est du difficile qu'ils nous ont sorti là. So work fast. Ones are currently equipped. It's all about working with what you've got to find the loadout that works for you and your nano. Eh? On va lâcher des trucs, retirer. One more round there. Ah bah, j'ai pas trop le temps de regarder, hein. Keep going, go. C'est bon. Bring it home, mate. Moi, je peux pas l'équiper. Il y avait un truc, j'arrivais pas à l'équiper. J'ai pu retirer quelque chose, mais pas équiper. J'étais bloqué en plus. Ça a toujours le son, le bruit des flingues, toujours, c'est bon. Oh,
Pourquoi j'ai un truc jaune? Jesus Walker, you call yourself a chief of security? This is Ben Lee we're talking about here, the heart and soul of Shinar. That beautiful, brilliant man was good enough to grace you backwards bozos out in the Snake River Valley with a personal appearance at your fundraiser. Je crois qu'on peut en avoir qu'un. And you let a gaggle of Seattle liberals accost him on stage. Le bonhomme. With signs, Frank. Big old protest signs saying crap like stop the robots, tell the truth. Oh, what kind of two-bit rent-a-cop doesn't spot that coming in through the front door? We got door? Cover. Spending fire now, boys. An active the stock's gonna dip. Fun. So, here's what you're gonna do. You're gonna take 2 weeks. You're gonna go home and play with your chickens or whatever the hell you people do out there in Yokelsville, and you're gonna stay the hell out of the way while we clean up your mess. What if one of them had a gun, Frank? Hmm? Or a bomb? You ever think of that? Difficile, oh bordel. Could be dead right now. You could be dead. I did. Hell, if it was up to me, maybe it would be. Dernier. Oh vache. Oh là là, il m'a mis un truc sans moi, je crois. Ah non, c'est moi qui ai un truc sans moi. You know what to do. Not today, sugar. Back to the deck. Scanner la formation d'affront. Bon, je sais pas tous les trucs que je prends pour mon robot, mais ça a l'air de passer. Difficulté difficile, non mais non. Coucou Darkness, comment ça va? Ça pue du cul mais violent là. Notre première partie. Après, on va voir si on peut faire en groupe parce que je sais pas, j'ai l'impression que j'étais obligé de jouer solo, mais peut-être pas. Hein. Moi, je prends des dégâts tout le temps là. Moi, je prends des dégâts tout le temps. Ça, dégâts directs, en fait, c'est je prends tout le temps des dégâts. Des dégâts là. I'm not gonna fold him yet. Ah ouais, j'avais kiffé aussi, c'est pour ça on se teste à la sortie là et c'est plutôt bon. Hein. C'est plutôt bon.
C'est loin le truc de scan. J'y arrive pas à avoir de carte. S'il y a un moyen d'avoir une carte. Vu l'heure, ouais. On a vu Red. Ce qu'il fallait faire. Taper là-dessus. J'ai pas pu lire ce qu'il fallait faire. Mais je crois que c'est, il faut taper là-dessus. Let me show you a trick. Ça a l'air d'être ça. Je me bats. C'est un sac à pédé là. Des munitions parce que sinon je sais pas comment j'aurais pas eu assez. Thank you.
bordel. Merde, j'ai oublié ça. On a commencé la partie à quelle heure? Savoir combien de temps ça dure une partie à peu près? Minutes, non? En solo ça se fait, mais c'est assez, assez long pour le truc final. Peut-être que c'est parce que la première est plus facile, je sais pas. Regarde mon équipe. Waouh. T'es toute seule dans ton équipe. Tais-toi. Je suis première. Bon, bah enfin, elle a la base ou pas? Moi, je me souviens qu'il y avait une base. Hein. Récompense de la première fois. Ah. Ah, on fait monter le niveau des armes aussi? Oh. Va falloir monter un peu tout. Nous voilà à Haven. Welcome back, Runner. My name is Leia Kraus. Some new Mimir data has arrived. I think you might be interested. It's good to properly meet you, Runner. My name is Leia Kraus, and I am in charge of data analysis here in Haven. I will collate any data you find out in the field and ensure it's accessible through Haven's Mimir Network Hub. This knowledge is essential to our stability as a community. The world may have ended, but there's no excuse for slipping into a new dark age. Have a look for yourself. Alors, le réseau Mimir est un ancien système de Shinar qui abrite une multitude d'informations utiles aux bellicistes. La base de données contient des renseignements importants sur les nanos et modules que les bellicistes peuvent rencontrer dans le méridien. Plus gros que Starfield, Red. Les fragments de mémoire sont des histoires perdues. Oui, ça j'en ai chopé. Ils seront stockés ici. Ah! Warren, it's Abigail Fraser from Senator Cohey's office. I wanted to touch base about a couple of these points in your proposal. Nothing big, just a few things that the committee... Well, that they might have a hard time swallowing, 120. Let's say. This isn't a critique. Bon, mais ça peut avoir des mises à jour par la suite. Hein. You know, the lay of the land. J'ai Céline. Un niveau de plus. 100% of the way. These disappearances coucou Weaver, coucou Misanthropin, coucou Livre Fantasy. The problem is, the measures you're proposing, some people are gonna find it pretty radical. Like point C, for example. Okay. Much as I'm... C'est du blabla, mais pas très sympa, pas très intéressant. It's April 7th, 2042, and you're listening to Mind Games, where we drop the boom on... Ah oui, ok, si je trouve les deux récompenses... Ah,
J'ai voulu trois, t'as des cadeaux de... Ok. Nano basique, ça c'est les ennemis. Nano lame. Nano vertex, putain, y'en a un paquet. Hein. Poudre. Raviveur. En vrai, quand tu tapes dans tout, t'as pas le temps de voir ce que c'est, hein. Moi, je vous le dis, hein. Nano, il est... Oh, il est stylé. Putain, il a l'air d'avoir un sacré bestiaire. Hein. Ah, puis les sorts que je prends, ils se mettent aussi... dans les entrées. Et après, tu vois mieux ce qu'ils font aussi. C'est vrai que c'est pas mal. Oh, t'as fait une manip, toi, Darkness. Ah oui, des fois ça marche, mais alors moi, je... Je fais pas. Toi, t'as pas peur, hein. Moi, j'ai pas assez... J'ai pas confiance. That's odd. Just a moment. Caraway, I think you ought to see this. What is it? There is a non, mais c'est plus par rapport à ce qu'il y a dans les dossiers que la personne peut récupérer comme info de ton PC. Ou d'autres trucs comme ça, tu vois. And just what were they up to? C'est... Tu vois, c'est par rapport à ça, c'est pas que ça marche ou pas. Tyrant nanos. It appears they were tracking them like animals in a preserve. You ever seen anything like this before? Bah, tu crois que c'est piraté comment les comptes et tout, Darkness? The method is highly experimental. The tags may link to valuable data, but without analyzing. Après, tu sais pas si la personne a des bonnes intentions ou pas, quoi. You want to hunt these things down. It would be prudent to find these tyrants, yes, if we want answers. Oh, we do want answers. Anything Shinar knew, Haven needs to know too. No rest for the weary, eh, Runner? Hope you're set for a hunt. You come see me when you're ready. Après, c'est peut-être un truc ça, hein. Mais moi, j'ai pas... Je fais trop attention là-dessus parce que ça va tellement vite. Bon, on peut faire en équipe. C'est juste que je crois que j'étais obligée de faire en solo avec des gens lambda la première fois. Enfin, en tout cas, je voyais pas comment inviter. Bah, normalement, ça te fera moins, toi, Red, mais... je voudrais pas te dire de bêtises. Après, si t'as pas de soucis, tant mieux, Darkness. Juste des fois comme c'est, il y avait, pour te dire, il y avait eu un truc, mais moi je suis pas assez calée non plus, donc c'est pour ça que je le verrai pas, donc je préfère rester méfiante sur ça. Mais c'est qu'il y avait eu un truc aussi à une époque sur PS5, enfin sur Sony, je crois que c'était PS4 encore. En fait, il y avait une sorte de, c'était quoi qu'il y avait eu, genre des gens qui t'ajoutaient en ami si tu les acceptais. Adieu ta console. Un truc comme ça. Genre, c'est... des fois, t'as des trucs. Tu te dis, c'est rien, t'ajoutes juste en ami quelqu'un. Là, après, des fois, voilà, il y a rien, mais... Ça, c'est quoi? C'est parler... C'est pour lancer la suite, c'est ça. If it isn't the runner of the air, bon appétit, Céline. Mel Cregan. I'm what you might call the backbone of Haven's economy. Have a gander at my wares if you like. Oh, and all sales are final. C'est quoi, c'est cadeau de bienvenue? C'est le pognon IRL. Forcément, le jeu est gratuit, donc il y a forcément du cosmétique.
on peut même avoir des cosmétiques sur nos machines. Ouais, j'avoue qu'elles sont belles. Hein. Elles sont belles. C'est quoi, monnaie de Neuven? Monnaie Shining, Empyrea, Nerva. Ah, il y a un Battle Pass. Oh, c'est stylé. Doucement. C'est stylé, mais doucement. Allez, des quêtes. En cours, utiliser un kit médical. Ah, donc c'est quotidienne, ça c'est hebdomadaire. On va juste voir un truc. Ossement, calme-toi. Calme-toi, Alberto, là. On n'est pas mieux, cadeau de chocobo. J'sais pas trop hein. Il a l'air plutôt blindé 100 niveaux. Trop de choses. Allez, c'est combien de temps pour le faire? 90 jours, 18 heures. Merci Itachi Raison, bienvenue à toi, comment vas-tu? Ouais, faut qu'on s'ajoute. Attends, parce que j'essaie de comprendre tout. Il y a beaucoup de menus. Terminé 3 parties en coop. 1 sur 3, très bien. J'étais en coop. Ouais. Terminé une partie en multi. Même jour, nanana, nanana. Passe VIP. D'origine. Il y a trop de trucs. Et comme j'ai quand même lancé le jeu vite fait hier, j'ai dû avoir du coup celle d'hier. Ok. Pleasure doing business. Trop d'infos là. Coucou Myopi, ça va bien et toi? Moi tranquillou, hein, tranquillou, hein, ils arriveront. Coucou Bidou, coucou Torquil, coucou Tequila. Déjà dans les habitués, il y a qui voulait jouer Wolvie Boy, je sais pas si c'était sur Starfield ou sur le jeu, j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est 3 en équipe, il me semble. Classement. Explorer Haven. Cherche un peu les menus. Comment ça marche? Oh, y'a Biped! J'y ai joué avec Alex, il est trop cool. Je connais pas Metal Revolution. Biped, il est trop génial comme jeu. Et vous l'avez sur Instant, normalement. Synchronisé, hein? Peut-être obligé de parler à elle. Je sais pas si ça va me lancer la quête ou pas. Ah non, mais c'est pour changer de perso normalement. Bon, j'ai peur que ça lance une quête. J'espère pas. Before I turn you loose out there, let me give you a few pointers. Open up your armband for me. Appuie sur tab. Runners are a special breed. Ah. Each one has a unique skill set that influences the way they fight.
Get to know them all, and you'll be ready for anything the Meridian might throw at you. J'aime sa capacité à lui, mais... You can also decide which companion Nano you're rolling with. Synergy between a runner and their companion is a beautiful thing, and can often be the difference between coming home a hero or waking up in the med bay. Coucou Kotora, bienvenue. Finally, get your guns. You need the right tools for the right job. Go on, take your time and check things out. C'est comment ça? Re-red. Elle, c'est une soutien. C'est lequel tu voulais jouer, Helios? Ok, lui, c'est un soigneur. Aussi. Bang! Sur Starfield. Bang. De quoi, myopie? Vous me sortez, depuis ce matin, vous me sortez des phrases hors contexte. C'est un truc de fou. J'arrive pas à vous suivre depuis ce matin. À chaque fois. N'oubliez pas de récupérer vos drops aussi. Un petit chocobo. Je vais récupérer le mien. Et rappel. Bah t'as tout marqué sous mon stream myopie. Mais c'est pas avant fin octobre, il y a le temps. Fin octobre, mon anniversaire. Ça y est, t'es tranquille, Apple ? Tu m'as pas dit, Elios, tu joues quel perso? Je pense pas qu'on peut avoir les deux mêmes. Je pense pas. Bon, Apple, je te demande pas si tu veux jouer avec ta co, c'est même pas la peine. Sauf si t'as une meilleure co, là. Sinon, je t'aurais bien proposé de venir. Bon, après, t'as pas fait le tuto. Y'a qui dans les habitués qui ont fait le tuto et leur première partie obligatoire? Sinon on va être à deux. C'est dommage, le jeu est gratuit. Et ça fait une semaine que je vous en parle au moins. Enfin, ça fait des mois que je vous parle de ce jeu, mais...
Non mais tu m'as pas dit ton perso Elios. Ah je joue qu'avec les habitudes de la chaîne Myopi. Et si tu deviens une habituée, y'a pas de soucis par la suite. Les gens qui sont souvent là et sur tous les jeux. C'est ce que j'ai déjà eu des soucis par le passé donc maintenant... On fait comme ça. Tu prends quel perso Elias? Après je sais pas comment on ajoute encore. Hein. J'ai pas encore trouvé. Je me souviens plus à la bêta comment c'était foutu. Je me souviens plus. Stone, bah, je vais prendre Gloria. Sinon j'aurais pris Rania si tu prenais Glory. De support ça va être un peu à coton. Après j'aime bien aussi le gars de base. Écraser j'aime bien. Plus PVP. PVE ou PVP, Elios? Oh, sur ce genre de jeu, c'est sympa. À la bêta, c'était plutôt cool. C'était bien fait, en fait. Après, j'aimais bien le mélange des deux. Je sais pas si là, il y a encore des modes de jeu en mix. Clartière. Ouais. J'allais te poser la question. Ça c'est bien mais plutôt en PVP. Je vais prendre l'écraseur. Pour personnaliser vos armes. Before you venture out again, take some time to show yourself around Haven. Check in with my people to see what they're offering, and try out the VR station if you have some downtime. It's a good way to keep your trigger finger nimble. Ah, attends. Ah, c'est ça. Ça a ajouté des amis. Quoi ton nom d'utilisateur, Eos? Changer ça aussi. Elios, t'as réussi à l'avoir.
Oui, il y a plein d'Elios. Comment ils ont fait? Ah, avec les majuscules et tout, c'est pas... J'imagine que c'est toi qui en comme ça. Aussi loin que possible, niveau 3. Les majuscules, ça fait... bloqué, supprimé, signalé. On signalé, Elios. Comment je quitte ce bordel? Échappe. Échappe. Comment on quitte ça? Ah, est-ce qu'il y avait pas avant? Coucou. Comment on fait? Je sais pas comment on fait les emotes. Je suis perdu. Attends, faut que je parle aux gens, je sais pas qui c'est. Je crois que lui, il fait les armes. Dude? Glad we could finally have a little confab here, you and me. Name's Eli, and I'm in charge of firepower here in Haven. Looking for guns or gun-related accessories? You just hit me up. So, what can I do for you right now? Choisissez votre arme. Vous trouverez des tas d'armes différentes dans l'arsenal. Configurez votre équipement en fonction de votre style de jeu. Personnalisez votre arme avec des cosmétiques uniques correspondant à votre style. Utilisez vos armes dans les parties pour améliorer leur efficacité et déverrouiller de nouveaux accessoires. Mamma mia. Le futur. Waouh. Comment déverrouiller? Je dis je sais pas quoi. Mais ça c'est joli. C'est dans le Battle Pass je crois, non? Il y a plein de menus, hein. Waouh. C'est un bordel. Personnalisé. Ah. Bouche. Maîtrise du futur 1 sur 3. Viseur à points rouges. Largeur. J'en ai pas. 1 sur 18. Cosmétique. J'ai rien. Décalco, Jerry. Qui veut mettre ça, cette horreur, sur une arme? Pitié. Oh mon dieu. Exécuteur. Ah merde, ça l'a équipé. Personnalisé. Personnalisé. Un pompe. Je sais pas, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un viseur? Sur un visée de précision, oui. GG, un niveau de plus Power Ranger noir. Non mais... Oh, elle est jolie. Y'a pas d'épée. Ouais, elle est pas mal celle-là. Moi je veux l'épée. That's all for now. Coucou Elios. Il est cool à moi. Il me fait peur. Il est juste là. Il est juste là. Il me fait peur. Oh merde. Aïe aïe aïe. Ah non mais le jeu il est prenant hein. T'inquiète pas, arrête, ça va bien se passer, respire. Je t'ai dit, t'en parles pas du jeu, t'auras pas d'infos dessus, faut juste pas en parler. Si t'en parles pas, c'est bon. C'est juste ça. Oh, tu m'en veux pas, Elios? On fait juste une pause de 2 minutes boisson et après on lance la partie. Ça te va?
Le pauvre, il m'attend depuis tout à l'heure. Je savais pas qu'il y avait autant de blabla. Et encore, je suis pas sûre d'avoir parlé à tout le monde. Je suis pas sûre. Hein. Non, tu m'en veux pas. Ça va alors. N'hésite pas à rejoindre le Discord. Tu te bouges si tu veux vocal. C'est comme tu veux, c'est pas obligé. Hein. C'est comme tu veux. Et puis, si tu vois le V-Boy, il a envie de quitter Starfield pendant la pause et de venir jouer avec nous. Nous montrer son skill légendaire. Voilà, j'arrive. Petite pause boisson, je vous mets une petite bataille royale. J'arrive.